voyez, nous travaillons dans le but de prendre part à ce merveilleux enlèvement. Mais le travail que nous effectuons, c'est le travail de notre foi. Et nous ne devons pas nous relâcher dans ce travail-là. Alors nous devons nous examiner davantage pour chaque frère et chaque sœur, afin que ce qui ne va pas, nous puissions demander cela au Seigneur, afin qu'il puisse combler ces choses-là. L'enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est par amour. Amour pour son frère, amour pour sa sœur, et amour pour lui-même. Tout ce que nous devons entreprendre, c'est pour l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi davantage nous devons travailler, comme nous le dit le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 12, le frère va lire cela. Et nous allons prendre la parole et poursuivre dans notre sujet. Philippiens 2, le verset 12. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés. Alors, ainsi, mes bien-aimés. Comme vous avez toujours obéi. Alors, un bien-aimé obéit toujours. Alléluia. Un bien-aimé du Seigneur aime la correction. Un bien-aimé du Seigneur aime les réponses. Un bien-aimé du Seigneur accepte, alléluia, de faire son bilan. Comme nous avons toujours obéi, alors nous devons toujours obéir. En faisant quoi? Oui, frère. Mettez en pratique et mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Donc, nous devons mettre en œuvre ou bien travailler à notre salut. Oui, c'est cela, se mettre en œuvre. Travailler pour son salut. Travailler pour sa foi. Le travail de sa foi. Alléluia. Non seulement être régulier à l'église, afin d'identifier tout ce qui ne va pas par rapport à notre foi et le mettre en règle pour la gloire du Seigneur. C'est ainsi que nous travaillerons pour notre salut. Et cela avec beaucoup de crainte et aussi tremblement. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Non seulement comme à ma présence, oui, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, l'apôtre Paul, en faisant cela, attire la conscience de l'individu, la conscience du chrétien et de la chrétienne. Il ne peut pas dire. Alléluia. Il ne voulait pas que nous attendions. Alléluia. À ce que des hommes nous le disent. Il ne voulait pas que nous attendions les remarques ou bien, vous voyez, les approches des uns des autres. Je crois qu'il faudrait qu'on voie cela, allumer le micro. Le son est très aigu. Mais nous devons davantage prendre conscience de notre marche. Que ce soit en venant à l'église, que ce soit au travail, que ce soit en présence des serviteurs de Dieu, que ce soit en dehors des serviteurs de Dieu. Mais nous devons savoir que notre Seigneur au-dessus de tout. Et il est avec nous partout où nous serons. Et il voit toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de cela. Oui, frère. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, pour nous croyants, il peut arriver que nous désirions avoir des choses en nous. Ou bien nous désirions, vous voyez, arriver à un certain niveau de spiritualité. Si cela ne l'est pas, d'abord, le fait de le vouloir, c'est être dans la volonté de Dieu. Maintenant, la capacité d'y arriver, c'est aussi une chose qui appartient au Seigneur. Mais vous devez le désirer. Alléluia. Quand une chose est bonne, l'enfant de Dieu se bat pour pouvoir l'accomplir. Alors c'est cela le vouloir. Je veux être comme le Seigneur le dit. Je veux être comme le dit la parole. Maintenant, Seigneur, comme je n'y arrive pas, je compte sur ta grâce pour y arriver. Aide-moi à y arriver. Alléluia. C'est Dieu qui produit aussi en nous le vouloir et le faire. Et nous devons le faire sans murmurer. Nous devons avoir, comme on le dit, une volonté pour le faire. Il ne faudrait pas que des personnes nous obligent ou bien nous pressent à le faire. Mais nous devons être promptes à cela. Si nous sommes promptes, alors il n'y aura pas de murmure. Parce que nous saurons que ces choses-là sont bien
pour nous-mêmes. Alléluia. C'est ainsi que nous tendrons vers l'irréprochabilité. Nous tendrons vers la perfection. Oui, frère, nous continuons un peu. Verset 14, faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Oui. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Oui. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Ainsi, afin que nous soyons irréprochables et purs, nous devons être prêts à faire ce qui est bien. Mais pour cela, il faut avoir l'esprit de discernement. Mais un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole, un enfant de Dieu qui n'est pas régulier à l'église, un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, mais comment peut-il discerner qu'une chose est bonne pour lui? Comment? Alléluia! Parce que nous devons tendre vers ce qui est irréprochable. Nous devons être irréprochables. Nous devons être purs en ce qui concerne la parole. Quand une chose vient de la parole de Dieu, l'enfant de Dieu n'a pas raisonné. Alléluia. L'enfant de Dieu n'a pas murmuré. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui nous recommande ces choses-là. Alors nous devons être disposés à aller dans le sens de la parole de Dieu. Et continuons. Des enfants de Dieu. Alors, entre enfants de Dieu, il y a de l'harmonie. Il y a de l'entente. Alléluia. Il y a la cordialité. Comme une de mes soeurs était venue, je peux voir, pour dire que son mari, son époux, ne peut pas écouter ce qu'elle aussi a comme proposition à porter. Son mari ne tient même pas compte d'elle. Mais ce n'est pas normal. Alléluia. Mais faire cela, c'est fausser la parole de Dieu. Mais est-ce que nous sommes faits pour fausser la parole de Dieu? Dieu dit qu'il a créé l'aide pour être dans ton aide. Mais tu ne veux pas tenir compte de elle et ses aspirations à elle. Ou bien de ses conseils. Mais pourtant, des conseils peuvent donner de Dieu à elle pour toi. Afin que votre couple se porte bien. Alléluia. Mais c'est pourquoi la femme a un rôle très important dans la vie de l'individu, que des individus que nous sommes, des frères. Mais par la femme, Dieu a empêché ces hommes, ces grands hommes, dans la parole de Dieu, de mourir. Nous avons vu le cas de Moïse, alléluia, qui, vous voyez, était sur le point d'être frappé par Dieu, mais grâce à sa femme, à son épouse, le Seigneur a arrêté sa colère. Ainsi de suite. Alléluia. Oh bien-aimé, comme on le voit. Et nous devons ainsi être irrépréhensibles. Vous voyez, sans reproche. C'est le but à atteindre. C'est l'objectif à atteindre. Mais pourquoi? Parce que nous sommes au milieu d'un groupe de personnes dangereuses. Des personnes dangereuses, impies. Des hommes qui n'ont même plus de loi. Qui n'ont aucune foi dans ce qu'ils font. Oui, au milieu d'une génération perverse. Et aujourd'hui, la perversité de notre temps est devenue encore plus forte. Et nous le voyons, alléluia. Nous voyons ces choses, nous la voyons. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux. Oui, nous devons briller. La parole de Dieu doit s'accomplir. Chaque frère et soeur doit briller comme des flambeaux. Nous sommes les flambeaux de ce monde-là. Alléluia. Vous voyez, comme des flambeaux dans ce monde. Portant la parole de vie. Nous devons porter cette parole-là. C'est le flambeau que Christ nous donne. C'est le flambeau que Christ te donne, mon frère. Que Christ te donne, ma soeur. Nous devons la brandir. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas brandir cette parole-là, ce flambeau-là, et puis vous être autre chose que ce que resplendit le flambeau. Le flambeau donne de la lumière. Le flambeau éclaire, illumine. Mais si votre vie est nocturne, et que vous portez un flambeau, alors on dira que vous êtes un étranger à ce flambeau et personne ne vous regardera ni vous écoutera. Nous devons témoigner par notre vie irréprochable que nous sommes dignes de ce flambeau-là, de cette parole de vie que nous portons. Alléluia. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est le désir de tout serviteur de Dieu.
Alors, nous bénissons le Seigneur. Parce que c'est cela aussi. La lumière doit aller de manière croissante. Alléluia. Et il y a certaines choses dont nous pouvons ne pas comprendre. Mais avec le temps, avec l'Esprit de Dieu, quand on s'attend avec l'Esprit, on s'attend à l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu vient et clarifie les choses. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. C'est pourquoi il est bon que les serviteurs de Dieu aient une disposition particulière. Mais le rôle de Satan, c'est quoi? C'est brouiller les serviteurs de Dieu, les tourmenter, leur donner des épreuves, des situations difficiles, de sorte qu'ils ne sont pas disposés à la réception, vous voyez, du langage de l'esprit. Mais si un serviteur de Dieu n'a pas la quiétude, comment pourra-t-il se disposer pour pouvoir recevoir le conseil de Dieu? C'est pourquoi vous devez prier sérieusement pour vos serviteurs, parce qu'ils en ont besoin. Le combat n'est pas facile, parce que ceux-ci sont perturbés par le diable, dans le but de les dérouter, dans le but de les empêcher d'accomplir, vous voyez, fidèlement leur rôle, leur tâche. Ô bien-aimé. Ainsi, nous bénissons le Seigneur pour davantage plus de clarté qui donne. Nous parlons du jour du Seigneur. Nous parlons du nouveau ciel, de la nouvelle terre. Vous voyez, et le Seigneur, dans sa grâce, nous clarifie. Parce que nous le prions et nous lui demandons davantage de nous éclairer sur ces choses-là. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Pierre, le chapitre 3, et revenir un peu sur le sujet en poursuivant. De Pierre, chapitre 3. Alors, nous avons vu la dernière fois les hommes qui étaient durs. Ces hommes qui refusent de croire à la promesse de Dieu. Lui, aujourd'hui, il y a certaines églises qui ne croient même pas au retour du Seigneur dans les airs. Dit que ils s'aspirent à aller pour un repas de noces, ça, ce n'est même pas leur préoccupation. Puisqu'ils proclament être déjà dans leur union à eux. Alléluia. Il y en a qui ne croient même pas au Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, ce ne sont pas les promesses données par l'Esprit de Dieu que vous allez croire. Vous voyez, il y en a qui ne croient même pas au baptême du Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit, comment pourrez-vous vous-même vous tenir là pour pouvoir apporter le conseil de Dieu? Parce que pour le faire, il faudrait que l'Esprit de Dieu vous baptise de son Esprit. Et que en cela, l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous conduise dans toute la vérité, dans toute la révélation de la parole de Dieu. Alors quand les serviteurs de Dieu se mettent là, et qu'ils proclament qu'ils ne croient pas encore au baptême du Saint-Esprit, et qu'ils réservent le baptême du Saint-Esprit pour un temps lointain, ou bien réellement pour un événement qui est à venir, alors on se pose des questions. Comment peut-il réellement éclairer les enfants de Dieu selon le bon conseil de Dieu? Bien-aimés, si le Saint-Esprit ne te guide, même si tu dis, tu donnes, tu peux transmettre le message d'un serviteur de Dieu, tu ne pourras pas arriver à le transmettre fidèlement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te pouvoir t'éclairer et te dire que ce message-là, vous voyez, peut aller réellement dans tel contexte afin d'éclairer le peuple de Dieu. Autrefois, avant qu'un serviteur de Dieu ne puisse, vous voyez, donner une prophétie, il faudrait que la prophétie soit en accord avec les prophéties passées. Un prophète qui est dans son temps ne peut pas contredire le prophète qui est passé. Parce que la parole de Dieu va dans sa continuité. Alléluia. Le Seigneur est homogène dans son langage. Le Seigneur ne peut pas se contredire dans son langage. Que le frère fasse attention au milieu. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous voyons 2 Pierre le chapitre 3, le verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis les temps, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ainsi, c'est ainsi le langage. Nous en avons parlé la dernière fois. Il y en a qui ne croient même pas. Ce sont des moqueurs. Alléluia. Ils se moquent des croyants, des chrétiens. Mais pourquoi te moquer des chrétiens? Il y a un miracle déjà qui se produit en lui. Alors regardez déjà, ce miracle-là est incroyable. Par sa vie qui change. Par sa vie qui a été bouleversée par Christ. Du menteur qu'il était autrefois, il n'est plus menteur. Vous voyez, du fausseur qu'il était, il est devenu un être honnête. Du débauché, il devient un être stable. Un être fidèle. Alléluia. Alors le changement de l'âme de la personne,
la purification de l'âme de la personne est un miracle de Dieu. Cela démontre que les promesses de Dieu sont réelles. C'est pourquoi ce que peut être un chrétien, un musulman ne le sera jamais. Parce que c'est Christ qui produit la vie en l'enfant de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, j'étais là, je regarde encore un autre mensonge. Vous voyez, la Bible, la Torah existe. Et comme on le dit, le témoignage qui est donné ne vient d'aucun livre que la Bible. Alors j'apprends que selon le Coran, vous voyez, l'islam dit que le sacrifice accompli par Abraham devait le Abraham devait aller sacrifier Ismaël. C'est écrit où? Où ont-ils enlevé cela? Le mensonge du diable. Amen. Comment est-ce qu'au dépend d'un tout le monde entier, on peut arriver à pervertir une telle chose? C'est écrit, noir sur blanc, que Abraham devait sacrifier Isaac. Alléluia. Et le Seigneur l'en a empêché. C'est d'Isaac qu'il s'agit. C'est Isaac qui était le fils de la promesse. Ce n'est pas Ismaël. Alors le diable manipule et réellement donne des règles selon eux, leurs aspirations. Mais nous ne faisons pas les choses selon nos aspirations à nous. Mais c'est l'aspiration divine. Alléluia. Tout a été retracé depuis le commencement. Parce qu'ils savent que s'ils reconnaissent que c'est Isaac qui est le fils promis, alléluia, alors ils reconnaîtront l'État d'Israël. Alors on prend aujourd'hui Israël pour le petit Satan. Et on prend aujourd'hui les États-Unis pour grand Satan. C'est les États-Unis qui sont Satan. Alors Satan lui-même est mis de côté. Et c'est des formes, vous voyez comme on le dit, des mirages de Satan qui sont donnés aux hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Dans leur combat, ils vont et ils prennent des pierres et ils essayent de lapider d'après Satan, en lapidant réellement, comme on le dit, un monument, ou bien je ne sais quoi, un dôme. Mais c'est le mensonge du diable. Satan est esprit, vous lapidez quoi? Il continue de faire des dégâts. Il continue d'injecter son venin mortel dans la vie des hommes. Il continue de pervertir les hommes. Il continue de les tourner en bourrique et de leur faire croire des choses qui ne sont pas dans la vérité. Et ça, les chrétiens doivent le savoir. C'est pourquoi nous devons être heureux de cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Alors il veut l'ignorer, verset 5. En effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Oui, mais laquelle de la parole de Dieu? Quelle est cette parole de Dieu qui annonce que les cieux ont été créés par elle? C'est dans la Bible. Alléluia. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui nous annonce ces choses. Ce n'est pas un livre canon, autre que la Bible qui le fait. C'est pourquoi nous sommes dans le vrai. Notre Dieu démontre qu'il est le vrai. Notre Dieu est le véritable créateur du ciel et de la terre. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tout autre Dieu qui se programme être Dieu, ce sont des idoles. Alléluia. C'est pourquoi il est le Dieu des dieux et il est le Seigneur des seigneurs. Et les cieux et la terre ont été faites par la parole de Dieu. Ainsi la terre, ainsi qu'une terre tirée, vous voyez, des eaux, de l'eau, est formée au moyen de l'eau. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas. Depuis des millénaires, depuis la création du ciel et de la terre, alléluia, le même langage de Dieu continue, le même Saint-Esprit continue à annoncer le même conseil de Dieu sans qu'il y ait contradiction de la parole de Dieu. Mais les autres livres se contredisent entre eux. Ces livres proclamés être saints. Alléluia. Il n'y a pas d'harmonie dans ces livres. Mais ce qui est étrange, c'est que ces livres-là reconnaissent, alléluia, le Seigneur Jésus. Ces livres-là parlent de lui en bien. Mais notre Bible ne parle d'aucun de ces livres-là. Alléluia. Parce que tous rendent témoignage de la Bible, mais la Bible ne rend pas témoignage de ces livres. Bien aimé, pour dire que notre Dieu est vrai et que nous sommes dans la vérité. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Oui, c'est ce que nous dit la parole. Les cieux et la terre d'à présent, ces cieux sous lesquels nous sommes et la terre sur laquelle nous marchons sont réservés pour le feu. Alléluia. Amen. Et
continua. Son éternel pour le faire, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors quand on regarde, nous devons comprendre. Alléluia. Que c'est là que ces choses vont se passer. Pour le jour du jugement. Alléluia. Après le millénaire, après la guerre des hommes et des femmes, le ciel et la terre, d'à présent, alléluia, sont réservés pour ce jour du jugement. Oh, bien aimé, nous donnons le Seigneur de lire Apocalypse, le chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Le verset 11. Frère Diplo va nous lire. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Oui. Nous dit. Puis je vis un grand trône blanc. Alors, le grand trône blanc, c'est le jugement du trône blanc. Alléluia. C'est le jugement dernier. C'est le tout du jugement, le jugement dernier. Oui, frère. Et celui qui était assis dessus. Oui. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Oui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Donc ce jour, la terre et le ciel vont fuir devant sa face. Alléluia. Ce ciel est à présent, vous voyez, sera détruit par le feu. Alléluia. Et ces cieux corrompus, ces cieux qui ont été pollués, qui ont été réellement détruits par les hommes, vont passer. Alléluia. Et vont s'enfuir, comme le dit la Bible. Le ciel s'enfuit devant sa face. Alléluia. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Et après cela, le jugement va avoir lieu. Alléluia. Oui, frère, nous retournons dans le livre de Pierre. Nous retournons le verset 16. De Pierre, chapitre 3, le verset 16. Oui. Mais, par la même parole, oui, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, le jour du jugement, ce sera la ruine. Les hommes impies, les hommes qui vivent n'importe comment, qui font tout ce qu'ils veulent. Selon eux, leurs aspirations, ces hommes-là ont été réservés, gardés pour le jugement. Même ils peuvent mourir aujourd'hui, ils seront au chaud de la vie. Alléluia. Comme le riche qui a méprisé la parole de Dieu. Au temps de Moïse, au temps, vous voyez, des prophètes. Ils seront gardés dans la Bible pour le jour du jugement. Parce que le jour du jugement, alléluia, la terre va rendre tous ceux qui étaient à son sein. La mer aussi va rendre tous ceux qui étaient à son sein. Et ils seront jugés, alléluia, au devant du trône blanc. Oui, frère, nous continuons. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. Oui. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, oui, et 1000 ans sont comme les jours. Alléluia. Donc, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Et au travers de cela, alléluia, nous allons passer un jour avec le Seigneur. Vous n'avez pas parlé du jour du millénaire. Alléluia. 1000 ans avec Dieu pour le millénaire. Mais nous devons savoir que d'Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans. D'Abraham jusqu'à à Christ, il y a eu aussi 2000 ans. Mais lorsque Christ aussi est apparu, alléluia, nous voyons que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans plus de 2000 ans, mais ce sont des jours abrégés et puis des jours indéterminés. Alléluia. Dieu seul connaît son calcul. Après cela maintenant, nous allons maintenant entrer maintenant dans le millénaire. Alléluia. Oh bien aimé. Oui, frère, nous continuons à dire. Mais il y a une chose bien aimée. Oui. Que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans.
et 1000 ans sont comme un jour. Ouais. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alors Dieu ne tarde pas, oui, mais comme quelques-uns le croient. Ouais. Mais il use de patience envers vous. Ouais. Ne voulant pas aucun pays. Donc, pour les hommes, ça peut paraître être long. On dit des millénaires. Oui, c'est beaucoup. Mais pour Dieu, c'est peu. Alléluia. Parce que lorsque nous voyons 1000 ans passer, pour Dieu, c'est un jour dépassé. Mais est-ce que pour vous, vous pouvez dire qu'un jour, c'est beaucoup? Un jour, il fait des choses pour vous. Voilà que le jour vient de s'achever pour nous aujourd'hui. Demain est un nouveau jour. Alléluia. De 6 heures. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, nous allons ici, nous tendons, nous sommes à 20 heures. Bientôt nous allons atteindre les 24 heures et le jour va finir. Le jour passe vite. De la même manière que nous voyons que le jour passe vite, de cette même manière, quand 1000 ans passent, c'est pour Dieu un jour. Alléluia. C'est pourquoi au millénaire, quand nous allons faire 1000 ans avec le Seigneur, c'est comme si nous avons fait un jour avec lui. Pour lui, c'est un jour, un seul jour qui va passer avec ses enfants. C'est pourquoi pour Dieu, ce qui est important, c'est l'éternité. Alléluia. Alors l'éternité ne finit pas. L'éternité, vous voyez, on ne parle plus de temps. Alléluia. On demeure à jamais avec lui. De la même manière qu'il est éternel, nous allons vivre une vie éternelle. Alléluia. Mais en attendant, les jours passent. Et nous aurons un jour à passer avec lui. Selon réellement son temps à lui. 1000 ans. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Oui. Comme quelqu'un le croit. Mais il lui de patience envers vous, oui. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répandance. C'est la vérité de Dieu. Le Seigneur ne veut que les hommes périssent, mais que tous les hommes viennent à la répandance. Or, un répandant, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a mal, vous voyez, il a pris un mauvais chemin. Que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bon. Alors il regrette. Il s'en détourne. Et revient à la bonne voie. Avant qu'il ne meure. Parce que s'il meurt, c'est trop tard. Dieu veut que les hommes se répandent. Et reviennent à lui. Reviennent à la grâce. Oui, frère. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Alléluia. Et nous savons que le jour du Seigneur se passera dans la période d'après la grâce. Alléluia. Jusqu'au début du millénaire. Alléluia. Ce jour va venir comme un voleur. Ce jour va surprendre les hommes. Mais pour le moment, nous sommes dans la période de la grâce. De peur que ce jour ne nous surprenne, nous devons user de prudence. Nous devons faire attention. Pour un enfant de Dieu, un fils véritable du Seigneur, ce jour de l'éternel ne peut pas venir nous surprendre. Parce qu'il se prépare pour aller à l'enlèvement. Il a les ingrédients parce qu'il croit aux paroles de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Il sait ce qui se passe dans son temps. Il sait discerner les prophéties bibliques dans leurs époques déterminées. Alors, il sait qu'aujourd'hui, il est dans la finition de la période de la grâce. Nous sommes à la fin. Le temps de grâce est en train de prendre fin. Et le jour du Seigneur frappe à nos portes. Dès que nous voyons, la grâce va s'en aller pour Israël et les nations vont basculer dans la grande tribulation. Oui. Alors le jour du Seigneur n'est pas loin. Mais pourquoi? Parce que un message nous a été donné pour l'achèvement de l'Église et des nations. Mais si l'Église des Nations atteint son achèvement, si l'Église des Nations est en train de se préparer pour l'enlèvement, ça veut dire que le jour du Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Et l'avènement du prophète, qui, par lequel le Seigneur a donné le message,
montre que après ce prophète, après son message, vient le jour de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous allons lire dans le livre de Malachi. Oh, bien aimé. Malachi chapitre 4. Nous allons lire à partir de verset 5. Malachi chapitre 4, à partir de verset 5. Oui. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Alors, Élie, le prophète, ne sait pas. Le Seigneur a dit. Mais je veux que les hommes comprennent. Ici, Malachi a vécu des centaines d'années plus tard, après l'avènement d'Élie, le Tishbite. Donc ici, il ne s'agit pas d'Élie, le Tishbite. Parce que Élie, le Tishbite, est monté au ciel. Alléluia. Et après Élie, le Tishbite, nous avons vu qu'il y a un autre serviteur qui a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Il s'agit d'Élisée. Alors Élisée a reçu aussi l'esprit d'Élie. Si Élisée a reçu l'esprit d'Élie, ça veut dire qu'il y a des serviteurs qui vont aussi recevoir, comme Élisée, l'esprit d'Élie. C'est une prédiction. Alors Dieu va envoyer Élie. Oui, frère. Avant que le jour de l'Éternel arrive, oui. Ce jour grand et redoutable, oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Donc, Élie le prophète viendra. À quel moment? Juste à la fin de la période, vers la fin de la période de la grâce. Alléluia. Nous ferons un schéma encore plus déterminé, plus clair, plus tard. Élie le prophète va chez nous. Avant que le jour de l'Éternel ne vienne. Alléluia. Oh, le jour de l'Éternel se passe dans cette période-là. Alléluia. Le jour de l'Éternel. Alléluia. Le jour de l'Éternel se passe dans cette période. Mais après que le jour de l'Éternel arrive, Élie doit venir. Élie doit précéder l'avènement du jour de l'Éternel. Mais, bien aimé, Jean-Baptiste a reçu l'esprit de Élie. Mais Jean-Baptiste, sa période, ce n'est pas réellement une période qui a été déterminée avant le jour de l'Éternel. La période de Jean-Baptiste a été déterminée à la fin de la loi. Alléluia. Jean-Baptiste est venu au début de la loi. Jean-Baptiste est venu vous présenter la grâce. Pour présenter le Fils de Dieu. Je voudrais qu'on lise cela dans le livre de Jean. Dans Jean. Jean chapitre 1. C'est pourquoi un peuple qui n'a pas de révélation périt. Les hommes aujourd'hui ne comprennent rien. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Les enfants de Dieu, les élus, sont en train de se disposer à l'intérieur des prophéties bibliques. Mais les hommes ne savent pas, ne comprennent pas. Mais c'est l'incrédulité, l'égoïsme, le sentimentalisme. On veut utiliser les sentiments. Au lieu de mettre des efforts de la parole de Dieu et d'apprécier les paroles de Dieu selon les prophéties qui ont été indiquées, les hommes aiment faire l'attachement aux hommes. Ils veulent les faire être fidèles à leur église, plutôt que d'être fidèles aux conseils de Dieu pour notre temps. Les hommes se connaissent que l'époque. Quand ils savent que la période de la neige arrive, ils savent qu'ils doivent émigrer. Alors on fait la migration des oiseaux. Parce qu'ils cherchent un endroit plus clément, plus agréable, pour pouvoir se nourrir. Alors ils fuient la neige et ils vont dans des zones, vous voyez comme on le dit, vous voyez des zones tropicales. Mais les hommes, ils marchent comme des animaux. Alors que même les animaux ont de l'intelligence. Les hommes marchent sans intelligence, sans discerner réellement ce que Dieu est en train de faire dans leur temps. Quelle honte pour l'espèce humaine. Jean le chapitre 1. Verset 6. Nous allons commencer avec le second. Jean chapitre 1, à partir du verset 15. Oui. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié.
C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi, il m'a précédé. Alléluia. Alléluia. Il était avant moi. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer? Mais qui est cet homme-là? Qui l'a précédé? Qui était avant lui? Qui est-il? Alléluia. Jésus était le petit frère de Jean. Mais Jean dit qu'il était avant lui. Mais c'est un super homme. Il est davantage qu'un homme. C'est le Dieu tout puissant qui est venu en chair. Mais les hommes ne comprennent pas. Oui, frère. Car il était avant moi. Oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Alors, il dit, il était avant moi. Moi, Jean-Baptiste, le prophète. Alléluia. L'homme le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Alléluia. Amen. C'était lui. Mais il dit, il était avant moi. Et nous avons tous reçu de lui grâce. Alléluia. C'est ce qui vient. Grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de lui. Maintenant, des individus, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont très intellectuels, parce qu'ils ont formé une église hyper puissante, parce qu'ils sont aujourd'hui, vous voyez, là au sommet aujourd'hui de la hiérarchie, comme on le dit, excusez-moi, sacerdotal humain, parce que ça ne fait pas de Dieu. Se sont levés. Très saints selon les hommes, pas selon Dieu. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ce n'est pas celui-là de qui nous recevons grâce sur grâce. Mais c'est celui-là à qui, à celle-là à qui une grâce a été accordée. C'est à celle-là qu'il se confie. Oui, à Marie, une grâce a été accordée à Marie. C'est ce qu'il est écrit. Mais lui, nous recevons de lui, nous tous, grâce sur grâce. Il est l'auteur de la grâce. C'est jamais vu. Les hommes aiment se fier à la créature plutôt qu'au créateur. Ils ont un autre langage que le langage de l'esprit, que le langage de la parole. Oui, frère. Grâce sur grâce. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Moïse, voilà ce que note. La loi a été donnée par Moïse. Et la loi a voyagé jusqu'au niveau de la grâce. Alléluia. Voici le témoignage de Jean. Oui.
Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Mais qui es-tu? Toi, prophète. Les Juifs savaient que c'était un prophète. Alléluia. Mais seulement, ils avaient le flou. Ils n'ont pas compris la manière d'agir de Dieu. Notre Seigneur, quand il vient, il envoie toujours un messager pour annoncer son avènement. Il ne vient pas comme ça. Parce que les prophètes sont à son service. Avant que le Messie ne vienne, il a fallu que des prophètes viennent pour annoncer le Messie. Le Messie ne va pas venir comme ça. Il faut des hommes pour présenter le Messie. Alléluia! Alors des questions ont été posées à Jean. Qui es-tu? Oui, frère. Verset 20, il déclara. Ouais. Et sans restriction. Ouais. Et affirma qu'il n'était pas le Christ. Il dit qu'il n'était pas le Christ. Mais bien entendu, Jean-Baptiste, c'est que son sang là, c'est comme tous les autres sangs. C'est un mauvais sang. Ce n'est pas le sang de Dieu. C'est un sang corrompu. Alléluia. Mais il est venu annoncer le sang qui n'est pas corrompu. Le puissant. Alléluia, il est puissant. C'est le sang de Dieu. Et c'est ce sang-là qui a été versé pour chacun d'entre nous. Mais Jean n'avait pas le puissant. Mais il était paru pour pouvoir annoncer le puissant. La grâce. Le Christ. Alors lui-même n'était pas le Christ. Oui, frère. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Mais quand il dit es-tu Élie? Alléluia. Il dit je ne suis point. Mais pour autant, il avait en lui, sur lui, l'esprit d'Élie. Mais Élie dont on a annoncé Malachie, c'est lequel? Quand le prend en réalité, l'Élie qui a été annoncé est l'Élie de notre temps. Alléluia. Parce que cet Élie, selon les prophéties bibliques, va venir, va précéder l'avènement de la période de la grande tribulation du jour des ténèbres. Jean parlait selon les traditions bibliques. Mais il savait qu'il était Élie aussi, qui devait réellement annoncer le Messie. Alléluia. Pour la période de la grâce. Mais comme le livre de Malachie passe par la prédiction d'un Élie qui doit venir avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et le temps, lui il sait qu'il n'est pas ce Élie. Alléluia. Mais il a un rôle à jouer. C'est pourquoi il dit il est celui-là qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lui il vient préparer le chemin du Seigneur. Le chemin de la grâce. L'entrée de la grâce. Et non, il vient pour pouvoir réellement, vous voyez, prévenir le jour de l'éternel. Oui, frère, nous continuons. Il déclara. Alléluia. Oui. Et il dit. Je ne suis point. Ouais. Es-tu le prophète? Il répondit non. Alors, on lui a posé la question. Es-tu le prophète? Il est un prophète. Mais le prophète, c'est Christ lui-même. Le prophète est un prophète. Alléluia. L'accomplissement, la mission de toute la loi est un prophète. Alléluia. Moïse a annoncé la loi. Les prophètes ont parlé de lui. Et Christ est l'accomplissement de toutes ces choses. Bien-aimé. Nous allons y revenir. Nous sommes à la fin. Alléluia. Élie est venu. Mais nous en parlerons encore pour faire asseoir les frères dans la compréhension de ces choses. Ce sont les prophéties bibliques. Et l'avènement de cet Élie-là marque, alléluia, la fin de l'élément de la période de la grâce. Nous sommes à la fin. La grâce et les nations sont comptées. Est comptée. Le temps de la grâce est presque fini. Alors que faisons-nous? C'est pourquoi Pierre nous donne des conseils. Nous allons lire ces conseils-là et revenir la prochaine fois pour continuer. Dans le livre de Pierre, le chapitre 3.
Je prierai. Le verset 10. Le verset 10. Oui. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Alors, oui, quand le jour de Dieu va arriver, les cieux vont passer. Les cieux seront bouleversés. Alléluia. Mais ce n'est pas la fin du ciel et de la terre. Alléluia. Les cieux vont passer avec fracas, vont avoir un bouleversement, mais nous savons que la destruction des cieux sont réservées pour le jour du jugement. Alléluia. Bien-aimés, quand le Seigneur dit que le ciel et la terre passeront, ce n'est pas que le ciel et la terre vont être détruites, mais vont avoir un autre revêtement. Alléluia. Vont passer d'une autre forme à une autre. Mais le ciel et la terre seront secoués à la période de la grande tribulation. Les éléments réellement, vous voyez, tels que les étoiles vont descendre du ciel sur la terre. Alléluia. Avant l'entrée dans le million, la terre va connaître des tremblements, des bouleversements. Bien-aimés, mais ce ne sera pas encore la fin de la terre. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Les éléments embrasés se dissoudront. Oui. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Nous allons y revenir, oui. Puisque tout cela est en voie de dissolution, oui. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc, toutes les choses sont en voie de dissolution. Les astres vont tomber du ciel, alléluia. Des étoiles vont tomber du ciel sur la terre pour punir les impies, alléluia. La terre sera secouée et bouleversée. Les hommes vont mourir en quantité, les impies seront détruits. Mais c'est ce jour-là que les hommes cherchent. C'est le jour de l'Éternel que les hommes veulent visiter. Sinon, quelle devait être notre conduite? Quelle devait être notre attitude? Si tu ne revois pas ta manière de faire, si dans ta vie tout n'est pas en nous, alors bien-aimé, ces choses-là vont t'arriver. L'enlèvement va passer au-devant de toi et tu vas te trouver dans le jour du Seigneur. Alléluia. Dans le jour du Seigneur. Oui, frère. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour des cieux. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, oui. Et les éléments embrasés s'effondreront. Donc, les cieux enflammés vont se dissoudre et les éléments embrasés vont s'effondre. Alléluia. Mais ce ne sera pas encore la fin de la terre, du ciel. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour punir les impies. Oui, frère. Mais nous attendons, oui. Selon ta promesse, oui. Des nouveaux cieux et oui. Une nouvelle terre, oui. Où la justice habitera. Alors, la destruction des cieux et de la terre sera pour le jour du jugement. Alléluia. Ou à partir de là, des nouveaux cieux et une nouvelle terre viendra. Alléluia. Pour marquer bien aimé, nous devons nous appliquer davantage à aimer le Seigneur. Nous devons nous appeler davantage à voir l'amour de Dieu grandir dans notre cœur. Que le Seigneur nous soutienne et que Dieu vous bénisse.